Dans ce que je tiens dans mes mains, c'est ce qu'on appelle un fusil de traite. Celui-là, c'est un fusil de chasseur, qui est un vieux fusil qui m'a été vendu, qui était déjà inutilisable. C'est fabriqué par des forgerons avec des pièces qu'ils récupèrent souvent des vieilles automobiles. Mais ici, le canon, c'est un tuyau. C'est pas nécessairement en acier capable de résister à des explosions. C'est pour ça que ça pouvait éclater. Je vous raconterai une anecdote à ce sujet-là. La façon de l'utiliser, bien, c'est un fusil à poudre noire. Donc, il faut mettre de la poudre dans le bas, une bourre, des plombs ou des billes d'acier, souvent que le forgeron il coupait avec des bouts d'acier puis travaillait ça avec le marteau pour lui donner une forme plus ou moins ronde. Ensuite de ça, une autre bourre. Donc, ici, la baguette ici servait évidemment à pousser la bourre, à pousser les choses, mais en même temps à mesurer la quantité de poudre que tu devais mettre selon la grosseur du gibier. Donc, un éléphant, on m'a dit que mon chasseur d'éléphants, Thierry, m'a dit qu'il fallait qu'il calcule 4 doigts de poudre. Donc, l'équivalent de ça sur le. Ça veut dire que la baguette devait avoir à peu près monté à cette hauteur-là pour dire, bon, j'ai assez de poudre. Finalement, pour un plus petit animal, les petits antilopes, par exemple, c'était 2 doigts ou quelque chose du genre. Plus gros antilope, 3 doigts. Bien, évidemment, 4 doigts, ça va comment, parce qu'un canon, ça commence à faire une grosse décharge. Donc, c'était pour ça, chasser surtout le gros gibier. Et puis, c'est un fusil dangereux à cause de la fabrication des pièces, pas nécessairement, disons, en matériaux, en acier suffisamment solide. Donc, ce que je voulais raconter à ce sujet-là, et puis mon épouse a beaucoup été impliquée là-dedans, c'est qu'à un moment donné, au début de notre séjour dans la région, dans l'agglomération de Sibikili, Niemenekis et Gecko, un matin, il y a un chasseur qui arrive, il avait perdu son bras droit, une partie de son bras droit, jusqu'en dessous du coude. Fait que là, André, qui est infirmière, lui fait un garrot. Puis là, lui a dit, il faut que tu ailles à Dakar pour te faire amputer le bras, pour que la gangrène se mette là-dedans. Fait que ce qui est arrivé, André, c'est-tu nous autres qui l'a amené à Kédougou? Je ne me souviens pas. Non. En tout cas, il a pris l'avion, puis il est allé à Dakar, puis un bout de temps après, il est revenu avec un beau moignon, là, bien coupé, bien soigné, etc. Puis un petit peu de temps après, on l'a vu avec... il s'entraînait à chasser, retournait à chasser en mettant le fusil sur son bras, comme ça. Il se pratiquait à tirer comme ça. Il voulait retourner à chasse. Il voulait se faire amputer l'autre bras, je ne sais pas. Mais on m'a raconté qu'il y avait eu beaucoup d'accidents de ce genre-là, soit des mains, des doigts. Là. Mais lui, c'était une bonne partie de l'avant-bras. Mais très souvent aussi, juste la poudre, là, la poudre rendait aveugle. Partiellement aveugle. Les gens qui sont devenus aveugles parce que la poudre est arrivée dans les yeux, puis ils ont brûlé des yeux, brûlé un œil ou les deux yeux devenus aveugles. De toute façon, la cécité, c'était très répandu au Sénégal, en tout cas. Cécité des rivières à cause de la maladie qu'on appelle l'onchocercose, là, qui est injectée par un petit moustique qu'on retrouve le long des cours d'eau en période humide et qui pique et qui, ensuite de ça, il y a, je me souviens pas de quelle façon ça se produit, mais ça rend tranquillement, ça rend aveugle, ça rend la cornée opaque, là, puis les gens finissent par devenir aveugles. C'est surtout les villages le long des rivières, comme c'est quand même connu de façon empirique, beaucoup de villages, ou c'est l'administration peut-être qui leur a dit aussi, ne sont pas situés immédiatement sur le bord de la rivière. C'est à une certaine distance, mais même là, ils vont chercher de l'eau à la rivière, les femmes, etc. Mais c'est beaucoup les hommes. On a vu beaucoup de personnes passer 40 ans, on voit qu'ils sont demi-aveugles, à 50, 60 ans aveugles.
Donc, c'était très, très répandu, la cécité, surtout des personnes âgées. Mais les personnes âgées, là-bas, c'est 50 ans. Là. La classe d'âge la plus élevée, les Bantam-Batsirolu, c'est des gens de 50 ans, à peu près. Là. Puis, passé 60 ans, 70 ans, c'est rare. Mais le vieux Boukhari, il pouvait avoir 80 ans. Mais bon, c'est là... Et lui, il avait un état civil puisqu'il avait été dans l'armée, mais c'est souvent, c'est approximatif. Quand tu t'inscris, on te donne un âge. Là. Puis là, on marque ça sur ton carnet militaire, puis après ça... bon, il y a des gens, des fois, qui ont dit qu'ils étaient centenaires, mais si tu questionnais puis tu mettais des dates, on voyait bien qu'ils n'étaient pas centenaires. Donc, c'était une arme qui m'a été utile quand même. Pas directement. Ah oui. Il faut que j'ai oublié une explication, c'est qu'ici, les bandes de coton qui sont enroulées autour de la crosse servaient à récolter le sang des poulets, un poulet blanc ou un poulet rouge, selon, pour assurer d'avoir le bon succès à la chasse et puis aussi assurer la protection du chasseur. Mais bon, avec une telle arme, je pense que la protection du chasseur, c'était plus ou moins assuré. Donc, je disais que l'arme a été utile, pas directement, mais indirectement, parce que moi, je n'engageais pas directement, mais j'achetais du gibier des chasseurs. Donc, je les incitais à aller chasser, puis à me rapporter un morceau de gibier, généralement une antilope. Des fois, ça pouvait être des facochères, cochons sauvages. Des fois, c'est déjà arrivé aussi des pintades. Là. Mais il y avait aussi des vrais fusils, des fusils de chasse. Là. Mais ça, c'était réservé aux gens qui avaient le moyen de se payer ça. J'ai connu un ancien militaire qui avait une pension dans l'armée, puis avec ça, il s'est un fusil à double canon. Puis là, il était beaucoup plus efficace à la chasse. J'ai acheté aussi de la viande de lui. Donc, pour nous autres, c'était une des seules façons d'avoir de la viande dont on savait qu'elle ne pouvait pas être contaminée, par exemple, par le ténia du bœuf, parce que ça existe aussi. Il n'y a pas juste le ténia du porc, le ténia du bœuf. Comme c'était des animaux qui étaient vendus à la boucherie, pas la boucherie, c'est beaucoup dire, un étal, là, des tas de viande découpées à la hache, de toutes sortes de façons, les coupes, qu'on connaissait, ça n'existait pas. Puis en plus de ça, c'était bourré de mouches sur l'étal. Là. C'est plein, plein de mouches, les œufs qui pouvaient se prendre là-dedans. Puis, bon, il n'était pas inspecté ni rien par les vétérinaires. Donc, il pouvait avoir bien de ces animaux-là qui étaient amenés par les peules là, des zones d'élevage, là, qui passaient par l'abattoir. Donc, on mangeait juste de la viande sauvage ou de la viande un peu d'élevage. Les gens nous donnaient une chèvre de temps en temps, surtout des poulets. Parce qu'un cadeau de bienvenue, là-bas, c'était pas la bière parce qu'on a fabriqué plus exactement. Il n'y en avait pas disponible régulièrement. On nous donnait généralement un poulet. Puis là, on avait un petit élevage de poulets. On avait plusieurs poulets dans l'enclos. Il n'y a pas de poulailler là-bas. Ben, le soir, il y a un petit endroit, soit une vieille cruche, là... un vieux canari dans lequel on gardait l'eau. Donc, c'est à peu près grand comme ça, renversé, cassé par en dessous. Donc, ça peut être un petit poulailler ou n'importe où dans les cases. On avait même qui couchait dans notre case. Donc, mais quand tu vas attraper un poulet le jour, là, ils sont dans la nature. Là. Donc, il fallait commander aux jeunes courir après un poulet. Pour ça, ils appelaient ça le poulet bicyclette. Là. Il fallait courir après pendant, je ne sais pas, des fois une demi-heure de temps avant d'attraper un poulet. Puis c'était un poulet mec, les cuisses étaient grosses comme ça. C'était même pas assez pour un repas à deux. Maintenant, des poulets ici, des gros poulets, on n'est même pas capable de manger ça à deux. Puis l'anecdote aussi liée à ça, c'est qu'une fois qu'on avait mangé le poulet, on laissait des ossements dans l'assiette. Puis il y avait des gens qui croquaient les os, les jointures des os, c'est plus... qui croquaient les os, pas entiers, parce que évidemment, c'est lamellé, là, les os longs, c'est dangereux de se perforer dans l'intestin. Donc, il y avait des gens qui festoyaient des ossements de poulet qui étaient nos restants de temps. Non, c'est pour dire que la viande là-bas était rare, sauf lors des fêtes. Fait que ça a été mon séjour de 66, notre séjour de 66 pendant un an, mais dont quelques mois à Dakar à travers ça pendant la saison des pluies, d'ailleurs, qui est une saison assez dangereuse pour les maladies, parce que les gens du centre de recherche, tous ceux qui sont allés, pas beaucoup sont allés pendant la saison des pluies, les gens du centre de recherche ont pratiquement tous été malades. Ils ont eu ça. Ça nous faisait craindre aussi, surtout dans l'état de santé que j'étais au début de la saison des pluies. Peut-être que je
pour être assez gravement malade. Donc, c'est une raison pour laquelle on a évité une bonne partie de la saison des plis cette année-là. Mais comme on enseigne en anthropologie qu'il faut résider un an, il faut faire au moins un an, pour faire le cycle complet des activités. Donc, j'avais retenu ça de mon enseignement de Marc Adelard Tremblay. Bon, j'ai dit, il faut que, maintenant que après que je vais être rétabli, je vais y retourner pendant la saison des pluies. Donc, c'est ça qu'en 68, je suis parti tout seul au Sénégal. André est rentré ici au Canada avec les deux enfants, parce qu'entre-temps, on avait un deuxième enfant à Paris, Patrice, là, qui était né au mois de mars. Puis, il y aurait eu juste 2-3 mois. Là, ça serait pendant la saison des pluies. Ça serait trop dangereux pour attraper, entre autres, le paludisme. André est rentré ici, puis moi, je suis allé 4 mois seul pour faire le bout que je n'avais pas fait, un peu plus même, c'est du mois de juin jusqu'au mois d'octobre, pour faire toute la saison agricole, qui commence avec les premières pluies, fin mai, début juin, qui se termine, c'était pas terminé vraiment en octobre, mais les récoltes sont déjà pas mal avancées. Mais c'est sûr qu'après les récoltes, il y a plusieurs fêtes, là, oui, toute une série de fêtes. Là. Mais j'avais déjà assisté l'année précédente à un bon nombre de ces fêtes-là, puis j'ai assisté à d'autres pour compléter le cycle des fêtes là, chez les Malinqués. Donc, lors de mon séjour en 1966, j'avais identifié l'importance de la présence ou de la fabrication, de la consommation, la bière de mille là, principalement, mais il y a d'autres types de bières aussi, dans l'économie agricole des Malinqués. Donc, cette fois-là, j'ai décidé de travailler juste sur un groupe ethnique, les Malinqués, dont j'ai appris en partie la langue, assez pour comprendre puis me débrouiller un peu, mais j'avais toujours un interprète. J'aurais dû peut-être essayer de me dispenser d'interprète, peut-être que j'aurais avancé davantage la connaissance de la langue, mais comme je n'étais pas là pour des années nécessairement, des fois ça peut prendre 2 ans avant de débrouiller vraiment comme faut dans la langue, donc j'avais toujours le même interprète, là, Moussa Sadiago. Donc à ce moment-là, j'avais choisi les Malinqués d'un département. Pas d'un arrondissement, le département. C'est le département de Kédougou, l'arrondissement, c'est Banda Fassi. Il y avait 2 groupes de Malinqués. Il y avait ceux avec qui j'ai travaillé à Sélingué et ceux des montagnes d'où venaient, on peut dire des montagnes ou des collines, là, dans une zone un peu escarpée, un peu accidentée, d'où venait mon interprète, là, Moussa Sadiako. Lui, il venait du village de Bandata. Puis il y avait 5 villages. Qui formaient comme une entité. Bien, j'avais chacun indépendant sur le plan politique. Il y avait un chef de village, mais ils dépendaient tous de l'administration du département, un peu comme en France. Là. Pas de département, toujours là, de l'arrondissement, mais du département. Un peu la même structure française, dans le fond. J'ai décidé d'aller ramasser des données sur le cycle agricole. Donc, à partir des semences jusqu'à la récolte, toutes les fêtes, et surtout centré sur la place de la bière dans les travaux collectifs. Dans le fond, au centre de ma thèse, c'est les travaux collectifs pour principalement l'agriculture. Ça peut être d'autres choses aussi, fabriquer des maisons, par exemple des huttes, etc., mais principalement pour les travaux collectifs qui n'existaient pas vraiment à Sélingué, ces bikilis, ça n'existait plus. C'est plus le travail familial. On pouvait en faire des petits travaux, mais pas sur la même échelle qu'on pouvait faire dans cette région-là, les Malinqués de Bantata et les villages voisins. Donc, les travaux collectifs, ça peut se faire à différents moments du cycle agricole, mais surtout au moment du désherbage, parce que là, il y a une espèce de goulot d'étranglement de la force de travail. On peut semer assez facilement quelques-uns, quelle que soit la grandeur du champ, mais ce n'est pas des grands champs comme ici. Tout ça, c'est manuel. Tu peux me montrer là. Donc, j'ai l'instrument agricole principal utilisé dans la région des Malinqués, des collines ou des montagnes, qui est cette oudaba, là, qui est le nom malinqué, avec un très court manche et un fer en triangulaire qui est en manché. Ça peut se défaire si on force un peu. Donc, il faut travailler, évidemment, dans le champ courbé. C'est toute une journée de temps pendant 8 heures de temps, parce que les gens commencent vers 7-8 heures le matin puis finissent à la fin de la journée. Mais les journées sont relativement courtes dans le pays tropicaux
C'est à peu près des journées de 12 heures, plus ou moins. Le soleil se lève d'un coup de bonne heure le matin vers 6h, 6h30. Se couche le soir à peu près vers la même heure. Mais les gens travaillaient, à part le repas du midi, les gens travaillaient courbés là, sur leur instrument de travail toute la journée. Donc, un travail collectif, ça permet à des gens de rassembler une main-d'œuvre importante aux besoins. Surtout la période d'étranglement là, dans les travaux agricoles, on a le plus de besoin de main-d'œuvre, c'est le désherbage. Bon, les champs ne sont pas de surface considérable, mais j'ai déjà vu un champ, un grand champ, avec une grande famille, c'est un hectare. Mais sinon, c'est 100 heures, là, ou 150, 200 heures, là, parce qu'évidemment, avec un instrument comme ça, c'est pas très efficace. Mais ce qui compense pour la faiblesse de la technologie, c'est la force de travail. Donc, la force de travail, lorsqu'on a besoin de désherber un grand champ, où ça prend des dizaines de personnes, mais là, on invite les gens du village, d'abord la parenté. Puis la parenté, évidemment, c'est des lignages, ça peut être plusieurs dizaines ou centaines, même une centaine de personnes d'un même lignage. Je mentionnais, par exemple, dans un enclos, on pouvait être 10, 20, 30 personnes là, descendant d'un même grand-père ou un arrière-grand-père. Et les autres, les voisins d'autres enclos, ça pouvait être aussi des parents plus éloignés. Donc, évidemment, il y a différents embranchements au lignage. Il y en a des plus anciens, des plus récents, et ainsi de suite. C'est segmentaire, comme on a démontré, disons, Evans Pritchard, par exemple, qui a étudié beaucoup les sociétés segmentaires en Afrique. Donc, on rassemblait les gens de la parenté d'abord, mais peut-être même d'autres villages, parce que quand on avait un gros travail, comme déjà, je suis dans le champ qui pouvait avoir un hectare, là, qu'on voulait avoir des dizaines de personnes, j'ai vu jusqu'à 100 personnes venir à des travaux collectifs, bien là, il y avait quelqu'un qu'on appelait, je pense c'est Maddy, là, un intermédiaire qui allait dans les villages, qui annonçait tel jour, tel propriétaire de... Bon, propriétaire, c'est beaucoup dire, parce qu'il n'y a pas vraiment une propriété de la terre, mais en tout cas, tel propriétaire de champ va organiser un grand travail pour désherber son champ. Donc, à ce moment-là, on dit ce qu'on va avoir. Selon, dans un cas comme celui-là, le plus grand travail, c'est un travail pour un bœuf. On dit, on va tuer un bœuf, on va avoir de la bière, je ne sais pas, tant de gourdes de bière. On va avoir de la nourriture le midi avec la viande, évidemment, parce qu'on va avoir tué le matin, on va le découper, on va le faire cuire, ou l'après-midi, ou ça peut être le soir, parce que souvent, dans des cas comme ça, ça devenait comme une fête collective. Selon mes calculs, il était plus avantageux d'avoir un petit travail avec pas trop de monde, 10, 20 personnes, qu'on pouvait contrôler, où la bière n'était pas si abondante. Mais quand on a 100 personnes, puis on boit de la bière en quantité, parce qu'on en boit pas seulement le midi, en cours de route, on s'arrête après, puis le soir aussi. Fait que là, le soir, ça finit en fête. Mais c'est sûr que la productivité est de plus en plus faible, d'après mes calculs, est de plus en plus faible à mesure qu'on augmente le groupe de travail. Puis les travailleurs, bien, c'est des hommes et des femmes aussi, parce que les femmes travaillent. À moins qu'il y ait vraiment des très jeunes bébés, mais même là, ils viennent au champ avec le bébé sur le dos dans le porte-bébé. Puis elles travaillent aussi beaucoup comme les hommes. Mais comme c'est elles aussi qui s'occupent de la nourriture, préparer la nourriture, transporter la nourriture au champ, parce que c'est fait au village, puis les champs, des fois, sont loin. Donc, évidemment, une partie de leur travail, c'est l'approvisionnement, la nourriture, et non pas le travail au champ. Donc, il y a différents noms pour les différents travails. Disons, si tu as juste la bière, ça s'appelle Dolo Barreau. C'est le Dolo, c'est la bière de mille. Ça pouvait être juste une demi-journée, une journée avec un petit mot de midi. Souvent, des fois, ça peut être une chèvre. Là, on peut avoir 20-30 personnes. On appelle ça Barabaro, c'est le nom de la chèvre, le travail pour la chèvre. Et ainsi de suite. Là, pour le bœuf, j'oublie le nom, là, mais... Il y avait un travail, des fois, quand on disait à l'avant, c'est soubou. Soubou barreau, bien, tu vas avoir de la viande. Ça peut être la viande de chasse. Si le chasseur réussit à tuer un animal, on va te servir de la viande de chasse
et ainsi de suite. Donc, j'ai passé mes 4 mois à me promener dans les champs des différents villages. Je n'ai pas travaillé moi-même là, avec la DABA parce que je trouvais que c'était un travail. Puis, il fallait que je fasse de l'observation, il fallait que je prenne des notes, il fallait que je prenne la quantité de travailleurs, la quantité de nourriture, tout ça. Et puis, quand je n'étais pas là dans des villages, parce que je ne pouvais pas être là en même temps dans tous les villages, j'avais engagé des maîtres d'école. Ça, c'est une technique, je ne sais pas si c'était utilisé, je pense aussi chez les Inuits des fois. J'avais engagé des maîtres d'école qui étaient en congé pendant l'été. J'arrivais à donner un cahier, puis j'avais donné toutes les informations qu'ils devaient aller chercher pour chaque travail. C'est la quantité de travailleurs, hommes, femmes, les commanditaires du travail, ce qui était donné en nourriture, à peu près l'évaluation de la superficie du champ qui était travaillé, et ainsi de suite. Donc, comme ça, j'ai récolté, je pense, pour 4 villages différents, 4 ou 5 villages, là, des cahiers. Je ne suis pas sûr qu'ils sont allés toujours à tous les travaux, mais moi, je ne pouvais pas être toujours partout non plus. J'allais à certains travaux dont j'entendais parler, qui étaient importants dans des villages que je ne connaissais pas. Fait que ça m'a permis de visiter d'autres villages que je n'avais pas connus. Mais pendant la saison des pluies, on ne pouvait pas aller partout en jeep. Il fallait des fois, surtout dans les champs, il fallait marcher à pied dans les champs parce qu'il y a des sentiers qui mènent aux champs, mais il n'y a pas de route et ainsi de suite. Donc, je mangeais, puis je buvais de la bière, puis je mangeais avec les gens. Une fois, ça m'a rendu malade. Une fois, j'avais trop bu de bière ou trop vite. Mais une fois, je me suis rendu malade. J'ai vomi en revenant du champ. Je me suis mis à vomir. Mais c'est la seule fois. Peut-être une autre fois, une anecdote, on m'avait servi de la bière dans une vieille canne, une canne de peinture. Il y avait eu de la peinture, on avait peinturé, t'as plein de peinture. Et là, il ne pouvait pas refuser, mais je sais que celui-là, je ne l'ai pas bu avec grand cœur. Ça m'a levé sur le cœur, mais ça ne m'a pas rendu malade.